Bonjour, j'ai réalisé cette petite vidéo pour répondre aux questions que vous me posez sur ma chaîne YouTube sur mon activité d'ostéopathe posturologue. Les questions qui reviennent régulièrement sont « Êtes-vous en retraite ? Consultez-vous toujours ? Prenez-vous de nouveaux patients ?» Il faut reconnaître que ces questions sont légitimes car exercer encore à mon âge, 78 ans, n'est pas très courant. Je produis de nombreuses vidéos, ce qui explique que beaucoup de personnes pensent que j'y consacre 100% de mon temps et que je n'ai plus le temps de consulter. En fait, tout est question à la fois de motivation et d'organisation. Eh bien oui, j'exerce toujours et je ne suis pas prêt de cesser mon activité de praticien libéral spécialisé dans les bilans des soins posturaux, car mon métier est tout à la fois une passion et une vocation, et il n'y a pas de retraite, ni pour l'une, ni pour l'autre, car elle dure toute la vie. Vous posez la question, alors comment je m'organise? Eh bien, c'est simple et bien cloisonné pour éviter les interférences. Je consacre les 3 premiers jours de la semaine pour mes consultations, et les 3 autres jours à l'écriture de scripts, au tournage des vidéos, à leur montage et à leur mise en ligne. Le dimanche, comme tout le monde, je déconnecte au maximum pour recharger les batteries. Je continue et continuerai à suivre en entretien ma patientèle qui avance en âge comme moi. Pour certains qui me suivent depuis mes débuts il y a plus de 55 ans. Donc je continuerai tant que ma main ne tremblera pas et que mon cerveau fonctionnera parfaitement, ce qui est le cas aujourd'hui. La plus ancienne de mes patients a 96 ans. Elle se porte aussi bien que possible puisqu'elle vient d'elle-même à pied à mon cabinet pour sa séance d'entretien ostéopostural trimestriel. Je vois aussi ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pour des bilans annuels, enfin pour ceux qui prennent leur santé au sérieux. Je vois aussi de nouveaux patients qui viennent par relation ou adressés par un praticien, le plus souvent médecin spécialiste ou profession paramédicale. Le plus souvent, lorsque le cas est compliqué et a résisté au traitement allopathique. Dans ces cas, eh bien, il faut faire un examen global et précis, ostéopostural, notamment dans les douleurs et déficiences chroniques qui, dans 75% des cas, sont en relation avec un traumatisme, quel qu'il soit, le plus souvent ancien, c'est-à-dire plusieurs années, voire très ancien, 40, 50 ou même 60 ans ou plus, dont je retrouve souvent les traces sur les radiographies et à la palpation et lors des tests. Bref, vous avez compris que la retraite n'est pas faite pour moi, car j'ai un métier passion, ostéopathe posturologue, phytoaromathérapeute, et une autre passion qui est la transmission des informations et des savoir-faire en matière de santé naturelle dans l'esprit du concept de la santé durable qui est véritablement la médecine de l'avenir. Si ce terme ne vous est pas encore familier, je vous l'explique dans le détail dans d'autres vidéos et bien sûr dans mes formations. À ce propos, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visionner mon webinaire qui parle de ma nouvelle info-formation coaching pour tous que j'ai appelée « Les clés de la résistance anti-âge ». En suivant cette web-conférence de 38 minutes, vous connaîtrez tout de ce programme complet de santé durable que je mets à votre entière disposition par abonnement mensuel. Donc tous les mois, vous me verrez avec des vidéos où je vous explique tout ce que vous avez à savoir d'une manière progressive et logique. Vous aurez ainsi accès de façon privée à un ensemble de formations de base, de conseils, de fiches pratiques immédiatement applicables pour freiner le vieillissement et même rajeunir ce qui peut encore l'être, et notamment la musculature, les articulations. On peut récupérer jusqu'à un âge très avancé. Si vous êtes motivé, si vous décidez de prendre votre avenir santé en main, je vous attends. D'abord dans mon webinaire et ensuite dans ma formation pour vous apprendre comment vous pouvez, comme moi, résister aux assauts du temps qui passe,
résister aux maladies dégénératives et savoir rebondir après un coup dur. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis toujours là, pour longtemps encore. J'espère pour vous aider, pour vous remonter le moral, et parfois les bretelles, et surtout vous aider à entretenir votre corps dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. C'est ce qui constitue la substance de mon grand projet Objectif Santé Durable, dont la formation Les Clés de la Résistance Anti-Âge constitue la base indispensable. Donc je vous demande de vous inscrire parce que cette base, elle va vous servir toute votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de ne pas oublier de cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur le lien en fin de vidéo ou dans la description ci-dessous. Voilà, ensemble, nous pouvons aller très loin. À vous de décider. À bientôt. Prenez soin de vous.